C'est de l'énergie, parce qu'on est de l'énergie. Mais il se trouve que cette décharge d'électrons, elle est puissante. Et si à l'intérieur de moi, il y a une brèche, elle va faire un malheur. Mais si moi, j'ai entretenu cette idée que je n'ai pas de brèche, ça va être plus dur. Maintenant, comment tu entretiens le fait de ne pas avoir cette brèche? C'est quand tu maintiens la gratitude, quand tu travailles ton estime de soi, quand tu passes ton temps à te rappeler à quel point tu es extraordinaire, et surtout, quand tu es passionné avec toi-même. Être passionné avec soi-même, c'est vivre une vie où on est en harmonie. Quand je suis passionné avec moi-même, je suis parfaitement aligné avec mon être spirituel, mon être physique, je suis qui j'ai envie d'être, qui je suis censé être. Quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a trouvé dans sa vie un travail qui est tellement passionnant qu'il a juste envie de vivre pour ce travail. Et c'est quelqu'un qui, dans sa vie, a trouvé une personne qu'il aime tellement qu'il est prêt à mourir pour cette personne. Et quand vous avez un travail qui vous donne envie de vivre, et quand vous avez un compagnon ou une compagne dans votre vie pour laquelle ou pour lequel vous êtes prêt à mourir, ça veut dire que pour moi, vous vivez vraiment votre vie avec passion. Et quand on est passionné, quand on vit sa vie avec passion, c'est la plus belle réussite.